Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Loca pa' bailar. La victoire! Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je suis content. J'ai le smile, comme on peut le dire. Victoire 1-0 de l'Olympique Lyonnais contre Lille à domicile. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir, puisque Lille est un concurrent direct assez fort. Ils avaient enchaîné 3 victoires de suite, il me semble. Ils étaient dans une bonne série. Et là, ils perdent. Contre nous, contre l'Olympique Lyonnais, est-ce que la victoire est méritée? Bien évidemment que non, mais la victoire est quand même là, et les 3 points sont quand même là, rajoutés au classement, donc ça fait plaisir. On va parler un peu du jeu, des individualités, etc. Comme on fait d'habitude, tout simplement une petite analyse rapide. Mais content de la victoire, les gars, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que Lyon n'a pas enchaîné 2 victoires de suite. Bah, je crois que la dernière fois, c'était le début de la saison, quoi. C'était le début de la saison en septembre. Depuis, ça arrivait pas enchaîné. Contre les gros, on se faisait taper à part Marseille. Ou même Paris. Paris, on faisait pas des mauvaises performances non plus. Mais, voilà. On se rappelle du match de Paris. Si on perd 10-0, c'est pas scandaleux, honnêtement. Mais non, la victoire contre Lille fait extrêmement du bien et plaisir au moral avant le match contre l'Olympique de Marseille. On reviendra dessus, bien évidemment, après. Mais ouais, non, content de la victoire. Bon, on va déjà parler de la première mi-temps, les gars. Première mi-temps un peu spéciale où on ne voit clairement pas le jour. Lyon ne joue pas, Lille est très fort, Lille domine. L'intensité du pressing de Lille, le marquage individuel au pressing, tout ça a été très bien géré de la part des Lillois. Lyon n'arrivait pas à ressortir, c'était que des ballons longs, mis en difficulté assez souvent. Par le pressing de Lille dans les relances notamment, on n'arrivait pas à faire jeu, on se faisait manger. Honnêtement, sur le corner mal tiré de Maxence Cacré, on va revenir sur les individualités pardon juste après, mais Maxence Cacré qui a vraiment pas fait un bon match, je l'ai trouvé vraiment décevant et assez mauvais pour le coup. Mais bon, voilà. Mais non, le corner mal tiré de Maxence. Une mauvaise relance de Thiago Mendes pour une passe de Malo Gusto qui est mis en difficulté, qui essaye de faire le retour défensif, et Jonathan David qui fait un piqué à Lopez qui va sur la barre transversale, ce qui nous sauve du 1-0 à ce moment-là. Donc je vais pas vous mentir que la première mi-temps était un peu... on mérite de prendre un but sur cette première mi-temps, honnêtement. Où on ne voit clairement pas le jour. Bon, comme je l'ai dit, on a du mal à garder le ballon, une phase de possession, on a du mal à se procurer des occasions franches. Mis en difficulté dans cette première période, clairement. Quelques centres d'Awar. Awar que j'ai trouvé vraiment intéressant pour le coup. J'ai bien aimé, moi, la première mi-temps de Oussem Awar, que j'ai trouvé assez bon. Manque un peu de justesse dans les centres, des fois ils étaient un peu mal dosés, mais bon, c'est temps que ça revienne, etc. Faut qu'il reprenne un peu, ça fait que 2 matchs là qu'il enchaîne, donc faut le temps qu'il se remette en forme physiquement, etc. Mais ouais, Awar que j'ai trouvé assez intéressant et un milieu créatif en fait. Ce que on n'avait pas avant parce que Oussem Awar ne jouait pas. Et bah, tu sens qu'Oussem Awar peut te créer ce petit éclair de génie en fait. Et bah, ça peut faire beaucoup de choses dans un match. Ça peut faire énormément de choses pour le coup. Bon, désolé pour le chien qui vient d'aboyer, les amis. On va enchaîner directement sur la deuxième période. Et monsieur Laurent Blanc, chapeau l'artiste, franchement. Le changement en 4-4-2, il n'y a pas tout le monde qui l'aurait fait. Oui, parce qu'à la mi-temps, Lyon est passé du 3-5-2 au 4-4-2, 4-4-2 tout simplement. En sortant Damien Da Silva, qui était mis en difficulté, honnêtement, avec une défense à 4, et bah ça a totalement changé l'équipe, hein, on peut le dire. On peut le dire que cette sortie a fait énormément de bien. Et Lyon a fait une meilleure deuxième mi-temps. Honnêtement, sur la deuxième mi-temps, je pense pas que Lille était en soi vraiment au-dessus de nous. Je pense que ça s'équilibre un peu. Mais ouais, non, Laurent Blanc, oui, qui a su bien s'adapter, honnêtement. Moi, c'est ce que j'aurais aimé voir dès le début. Soit une défense à 4, soit avec Thiago Mendes et non pas Da Silva. Moi, c'est ce que j'aurais aimé voir dès le début, en fait, que Da Silva ne joue pas. Parce que Da Silva est un poison pour l'équipe. Je le pense sérieusement, les gars. Je pense que dès que ce mec joue, Lyon est voué à prendre des buts, en fait. Et on l'a vu qu'on traîne. Hein. On l'a vu qu'on traîne, on se prend...
On se prend un ou deux buts par sa faute, il me semble. Donc, c'est comme ça, en fait, on peut rien faire. Le mec est nul, malheureusement, et on joue avec 3 décès. Donc, on en aura forcément besoin tôt ou tard. Il reste 2 matchs avant la trêve hivernale, enfin, avant la Coupe du Monde, du moins. Du coup, c'est vrai que il va falloir recruter pendant cette période, hein. Il va falloir recruter un défenseur central de métier. Pour l'instant, Boateng a tenu 90 minutes, c'est un exploit. Est-ce qu'il va réussir à enchaîner ? Je sais pas, mais il faut un défenseur central de métier quand même. Parce que là, là, tu manques. Tout simplement, tu manques. Tu manques cruellement d'un défenseur central. Et dès que Damien Da Silva rentre, bah, c'est caca-culotte jusqu'à la fin du match, en fait. Donc, voilà, moi j'ai tweeté que je ne vois pas comment on pouvait ne pas encaisser de but avec Damien Da Silva en défense centrale. C'est arrivé, écoutez, je me suis trompé. Après, il n'y a pas de scandale, franchement, si on perd 1 ou 2-0 à la mi-temps, il n'y a pas de scandale. Mais ouais, non, Damien Da Silva n'est pas rassurant, clairement. Surtout avec un Boateng où on sait que c'est pas le mec le plus rapide non plus. Donc voilà, quand t'as deux charrettes en défense, c'est compliqué. C'est compliqué de s'en sortir. Donc ouais, non, monsieur Laurent Blanc, chapeau. Voilà, j'ai bien aimé ce changement tactique. On va parler un peu des individualités maintenant, avant de revenir sur le but, etc. Kakré, pas bon, comme je l'ai dit. Malou Gusto, défensivement, que j'ai trouvé vraiment très bon. J'espère qu'il va enchaîner comme ça, parce que c'est un peu son point faible. C'est un peu son point faible à Malou Gusto. Je trouve que défensivement, il est des fois un peu mis en difficulté trop facilement. Mais là, honnêtement, défensivement, je l'ai trouvé impeccable. Je l'ai trouvé très bon. Loukeba, pareil, je l'ai trouvé vraiment très bon pour le coup. Tagliafico, Tagliafico, les gars, c'est une dinguerie. Hein. Tagliafico, les gars, c'est une dinguerie. Comment ce mec peut être aussi fort? Je ne sais pas comment ce mec est venu à Lyon, honnêtement. Je ne comprends pas. Ce mec est vraiment trop fort. Genre, il est vraiment trop fort. Il a la rage. Il est trop fort. Partout, dans tous les domaines, il est trop fort, en fait. Il est trop fort. Il est trop important. Et depuis Ferland Mendy, on n'avait pas eu un défenseur gauche potable. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir. Lopez. Oh là là, monsieur Anthony Lopez, oh là 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 là, mais comment tu peux être aussi fort, frère? Oh les gars, mais vraiment, si ce mec était... Vraiment, si... Bon, il a eu des saisons... il a eu une ou deux saisons, je crois, un peu de moins bien à l'OL, où c'était en difficulté, mais là, les gars, depuis un an... Pff, à part ses sorties hasardeuses, voilà, c'est le gros problème d'Anthony Lopez, c'est sa lecture de jeu, en fait, sa lecture de jeu. C'est un peu comme Donnarumma, vous voyez? Donnarumma, il est sur sa ligne, il est trop fort, mais quand il faut sortir la lecture de jeu, etc., il est pas serein. Il est pas serein. Et Lopez, c'est un peu pareil. Lopez, c'est surtout dans sa lecture de jeu où c'est sorti kamikaze un peu. C'est terrible, mais voilà, c'est son gros défaut. Mais sur sa ligne, les gars, honnêtement, depuis un an, les gars, depuis un an et demi, là, depuis la saison dernière, je vois pas un gardien qui va le chercher. Sur sa ligne, je vois pas un gardien. Peut-être Alban Lafont, ça peut peut-être se taper entre les deux, mais qui est aussi important dans le jeu. Et après, quand ton meilleur joueur, c'est le gardien, c'est que ça va pas très bien dans ton club. Tu vois, c'est qu'il y a un petit problème quelque part quand même. C'est bien d'avoir un pilier quand même quand t'es gardien, mais quand ton meilleur joueur, c'est le goal, il y a un problème quelque part quand même. Il y a un problème quelque part, et sur les autres saisons, ça se sentait, mais la saison dernière, les gars, sans Lopez, on finit relégable. Hein. J'abuse un peu, mais vous avez compris, on n'est pas du tout à la place où on doit être. On est clairement plus bas, et il nous maintient dans le plus haut, en fait. Il nous maintient à espérer, en fait, tout simplement. Donc ouais, non, Anthony Lopez, très très fort. Pour venir un peu sur Dembélé, que j'ai trouvé catastrophique. Catastrophique, il n'y a pas une chose de positive qu'il a fait dans ce match, je trouve. Moi, j'aimerais bien voir Tété, peut-être, en numéro 9, prendre la profondeur, etc. Je sais pas, peut-être ça peut être mieux, j'en sais rien. Mais Dembélé, c'est compliqué, hein. Dembélé, il a un peu... Il a des phases bien, mais il a des phases de moins bien aussi. C'est l'irrégularité, pardon, la définition, tout simplement, de l'irrégularité, monsieur Moussa Dembélé. Donc, ouais, non, ça fait chier. Oussem Aouar, comme je l'ai dit, j'ai trouvé assez intéressant. Malo Gusto, pareil. Boateng, ouais, bon match, quoi. Il n'y a pas de quoi extasier non plus. Il n'y a pas de grand-chose à dire. Et la Cazette qui fait son match. Hein. La Cazette qui fait son match. Le Penon qui rentre aussi, qui fait une entrée patron.
magnifique, il a récupéré un nombre de ballons parfait, incalculable de nombre de ballons récupérés, très très fort le Penant. Son entrée a fait énormément de bien et je pense qu'il va être précieux pour la suite du championnat. Donc ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça. Et tu sens qu'avec le ballon, il commence un peu à s'améliorer quand même. Bon, il a quelques manques techniques quand même, dans la justesse des passes, etc. Mais tu sens qu'il commence à, un peu, à prendre confiance quand même, à monter, à faire un peu... Enfin, vous voyez, il n'est pas dans ce rôle de récupérateur. Enfin, il essaye vraiment d'aller chercher la passe juste, etc. Donc c'est bien, moi j'aimerais encore continuer à le voir progresser. Je pensais pas, en fait, en voyant ses premiers matchs, que ce soit un mec qui avait ces qualités-là, puisqu'on les voyait pas. Enfin, moi, perso, je les voyais pas. Mais là, il commence à rentrer dans le jeu, en fait. Et ça, j'aime beaucoup de la part de l'opening. L'entrée de Jeffrey Nadelaïde, les gars, y a rien à dire. Parfait. Parfait. Là, le but est extraordinaire. L'extérieur pour le contrôle de Tagliafico. Magnifique, qui remet sur la casette. Les gars, j'ai crié devant ma télé. Ben, bien sûr, les gars, comment ne pas crier? C'était fabuleux. Non, incroyable entrée de JRA pour le coup. Très bien, et ça fait plaisir de le voir comme ça. Techniquement, il était en place, hein, le mec. Hein. Techniquement, il était vraiment en place, le pélo. Donc ça fait plaisir. L'entrée de Fèvre et Cherki, les gars. Cherki désastreux, mais alors Fèvre. Fèvre, il m'a fait péter un plomb. J'ai tweeté, mais Fèvre, il m'a fait péter un plomb. Il faisait que tenter des dribbles. Il faisait que tenter des dribbles qui n'avaient aucun sens, Et il perdait le ballon, il essayait même pas de revenir défendre. Ça me faisait péter un plomb, Romain Fèvre. J'ai vraiment cru qu'on allait prendre un but à cause de lui. Il a perdu un nombre de ballons, je sais même pas s'il avait un dribble réussi. Je sais même pas s'il a passé un mec, en fait, depuis son entrée. C'est catastrophique. Catastrophique, Romain Fèvre. Donc voilà, c'est un joueur que j'aime bien, donc j'espère qu'il va réussir à se remettre bien, parce que là son entrée était désastreuse. Hein. Faut le dire, je sais pas s'il manque de confiance peut-être, je sais pas, mais... Après, il a pas été timide, mais le problème c'est que là, c'était désastreux. Hein. Là, c'était désastreux l'entrée de Romain Fèvre pour le coup. Ah, il y a l'entrée de Toko Ekambi aussi que j'ai pas cité, mais que j'ai pas trouvé très très bon. Toko Ekambi, bon, c'est pareil depuis des mois maintenant. J'aime pas ce mec, en fait, je le trouve vraiment pas bon, il me rend fou. Donc voilà, on va pas plus parler de lui, mais il me rend fou, clairement. Une victoire, du coup, qui fait du bien, comme je l'ai souligné, avant le déplacement à l'OM, les gars, ce dimanche. Donc on verra ce que ça donnera, on va voir ce que ça donne et... Bah écoutez, on espère une victoire, tout simplement, les gars. Hein, s'il y a une victoire, je vais... Une victoire. Et comment ne pas être heureux, en fait? Comment ne pas être heureux, les gars, s'il y a une victoire? Donc, ouais, non, ça me ferait plaisir qu'il y ait une victoire au Vélodrome, et surtout que ça nous permettrait de revenir à un point de l'OM, il me semble. Donc, de recoller vraiment à la cinquième place. Et bah ça, avant... Ça, si... Honnêtement, si tu fais 6 points sur 6, parce que là, t'enchaînes Marseille et Nice... Et après, t'as des enchaînements à Brest, à Clermont, où c'est beaucoup plus abordable. Là, on a eu un très gros calendrier, pour le coup. Mais ouais, non, si t'enchaînes victoire à Marseille plus Nice, les gars, c'est très positif. Hein. Honnêtement, c'est très positif pour la suite. Et je pense clairement que Lyon pourra assurer le top 4 ou 3 s'il y a une victoire à Marseille et à Nice. Parce que niveau confiance, les gars, ça va monter en puissance. Et voilà, La prise de confiance, malheureusement, baisse à Marseille, puisque c'est l'Olympico, tu dois pas perdre. Donc voilà, j'espère surtout qu'on va pas se prendre une tarte, une gifle pour le coup, parce que Marseille, c'est une équipe qui presse énormément, et on a vu contre Lille, on a du mal avec le pressing. Et Marseille, je trouve, c'est une des équipes qui presse le mieux en Ligue 1, pour le coup. Donc ça me fait un peu peur, le pressing marseillais. Il y aura le retour de Diomandé, tous les quatre seront là. Est-ce que Moussa Dembélé va jouer? Je pense aussi. Parce que c'est un mec, sur un coup de tête, il peut te mettre un but. Donc, écoutez, voilà. Mais dans le jeu, c'est vrai qu'il n'est pas très, très, très bon, j'ai trouvé. Bon, bref. Voilà, les gars, on va pas parler plus longtemps. Très, très hâte du déplacement à Marseille ce dimanche. Vraiment. Vraiment, j'ai très, très hâte. Donc, voilà, les gars. Prenez tous soin de vous. Merci à tous de regarder les vidéos, bien évidemment. Prenez soin de vous. Des bisous. Bye, tout le monde.